بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala celui qui de par sa grâce nous a accordé l'occasion de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah dans ce lieu béni. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le premier Jumu'ah, le premier vendredi du mois de Dhul-Qa'da. Et Dhul-Qa'da, nous savons que c'est un mois qui fait partie des mois sacrés. Il y a quatre mois sacrés dans l'année, Minha Arba'atul Hurum, quatre mois sacrés. Et quels sont ces quatre mois sacrés? Il y a Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram et Rajab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathun mutawaliyat. Il y en a trois qui se suivent. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Muharram. Et Rajab, il vient plus tard. Et donc lorsqu'on dit mois sacré, eh bien qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui nous incombe de faire? Déjà, en premier lieu, c'est de s'éloigner au maximum des péchés et en même temps d'augmenter nos bonnes œuvres. D'augmenter nos bonnes œuvres parce que durant ces mois sacrés, eh bien les récompenses qui sont liées, eh bien sont multipliées. Et de savoir, mes frères, que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bonté et sa générosité, il a élargi le terrain des bonnes actions. Il n'a pas restreint. Prenons l'exemple de Sadaqa. Lorsqu'on dit Sadaqa, eh bien, ce n'est pas seulement donner de l'argent ou à manger, à boire, ce n'est pas seulement financière, mais elle est de différentes sortes. Le hadith que vous avez entendu, kullu ma'rufin sadaqa, eh bien, toute bonne action, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Il y a un long hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il explique tout cela, il dit que dans le corps, en ce sens, dans le corps de l'être humain, il y a 360 articulations. Et l'homme, il doit faire une aumône, une sadaqa, pour chacune de ses articulations chaque jour, en signe de gratitude. Alors lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, eh bien les quelques compagnons radiallahu qui étaient là, ils ont dit 360 aumônes chaque jour. Qui est capable de faire ça? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué, il a montré la facilité, la générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, la facilité dans la pratique du din. Et il a dit, ta'adilu bayna al-ithnayn sadaqa. Il a donné un exemple. Le fait de réconcilier deux individus, mais ça c'est une sadaqa, c'est une aumône. Deux frères qui ne s'entendent pas, tu viens, tu essaies de les réconcilier, et bien ce sera pour toi une aumône, sadaqa. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa. Aider un homme à enfourcher sa monture ou placer ses bagages dessus, tu aides quelqu'un à porter ses courses, mettre dans le coffre de la voiture ou bien le sens inverse, bien ce sera pour toi une sadaqa. Aider les plus vulnérables, ça c'était une pratique, mes frères, des Anbiya alayhim salatu wassalam. Dans le Coran, il y a ce récit, lorsque Moussa alayhi salam, il s'était dirigé vers Madian, il avait rencontré ses deux filles, les deux filles de Hazrat Shu'aib alayhi salam, qui étaient dans une situation assez vulnérable. Il les a aidées pour abreuver leurs animaux. Et bien à partir de là, les ulama nous disent que ça c'était une pratique des Anbiya alayhim salatu wassalam, et donc c'est une action noble. Et ensuite, parmi les actions faciles qui
qui sont d'une grande récompense, dire une bonne parole, c'est une aumône. Tu encourages quelqu'un à faire le bien, quelqu'un qui est dans le désarroi, quelqu'un qui vient de perdre un proche, tu essaies de le réconforter. Des paroles simples, ce sera pour toi une sadaqa. Wa kullu khatwatin tamshiha ila as-salah sadaqa. Chaque pas effectué vers un lieu de prière, ce sera une sadaqa. Wa tumitu al-adha 'an at-tariq sadaqa. Écarter de la voie publique ce qui est nuisible. Tu passes dans le chemin, tu vois une peau de banane ou bien un morceau de verre, un clou, un morceau de métal qui pourrait blesser quelqu'un, tu écartes, tu mets dans un coin ou bien tu jettes carrément dans la poubelle, ce sera pour toi une sadaqa. Action simple. Tabassumuka fi wajhi akhik laka sadaqa. Le fait de sourire à ton frère, à ton prochain, ce sera pour toi une sadaqa. Hazrat Jalil ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, il dit: depuis que j'ai embrassé l'islam, à chaque fois que je rencontrais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je le voyais toujours avec un visage souriant. Ça, c'était une belle qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit: ma at'anta nafsaka fahuwa laka sadaqa. Ce que tu vas dépenser pour toi-même en prenant soin de ton propre corps, ce sera pour toi une sadaqa, une aumône. Lorsqu'on a une intention, bien sûr, d'être reconnaissant vers Allah pour ce bienfait qu'il m'a octroyé et pour pouvoir mieux l'adorer, on nourrit ce corps, et bien ce sera une sadaqa. Voilà pourquoi Mawlana Barar al-Haq rahimahullah ta'ala, il disait que ce corps qu'on a là, c'est amana, c'est un dépôt. Et il disait: occupez-vous de lui en le nourrissant, bien sûr, et en prenant soin de lui, et vous faites là une sadaqa, une aumône. وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. Ce que tu vas dépenser en termes de nourriture pour tes enfants, eh bien ce sera sadaqa pour toi. وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. Ce que tu vas dépenser pour ton épouse, eh bien ce sera pour toi une sadaqa. وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. Ce que tu vas dépenser pour ton employé, eh bien ce sera pour toi une sadaqa. وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre en règle générale que tout ce qu'on va dépenser, dans quel but? تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ. Tu dépenses quelque chose uniquement pour chercher le plaisir d'Allah, le contentement, la satisfaction d'Allah. Illa ujirta biha, alors tu seras récompensé. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, jusqu'à ce, pour montrer l'importance de l'intention, même tu vas prendre un petit morceau de nourriture que tu vas mettre dans la bouche de ton épouse uniquement pour le plaisir d'Allah, eh bien ce sera là aussi pour toi une source de récompense. Et c'est ce qu'on appelle le ihtisab. Ça, c'est important. Lorsqu'on fait une action, les ulama disent le ihtisab, c'est important. Ihtisab, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait une action et on a l'intention d'être récompensé uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les dépenses du foyer, pour les besoins des membres de la famille, on ne doit jamais oublier l'intention correcte. On ne dépense pas par ostentation ou bien par vantardise, mais uniquement pour justement chercher le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا. Le terme ihtisab revient ici. يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. Celui qui va dépenser pour sa famille avec l'intention de chercher les récompenses auprès d'Allah, de chercher la satisfaction d'Allah, eh bien ce sera une sadaqa. Donc mes frères, la correction du niyya, la correction de l'intention, eh bien elle est indispensable. C'est ce qu'on appelle l'ihtisab. Et c'est la raison pour laquelle Hazrat Mu'adh radiyallahu anhu, eh bien, disait
إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. Il disait en ce sens, à travers mon sommeil, je garde espoir en la récompense auprès d'Allah, exactement comme je prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un croyant, il prie, il sait évidemment qu'il a l'espoir d'être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est concret, c'est une prière, je me prosterne devant Allah, c'est concret. Mais lorsqu'il se repose, lorsqu'il dort, eh bien il doit garder ce même espoir en se disant que, oh Allah, je me repose, parce que mon corps, il a besoin de repos, je me repose afin d'être en meilleure forme pour pouvoir t'adorer de la meilleure façon. Eh bien là, les ulama disent que là aussi, ce sera pour toi une sadaqa, une aumône. Ma min muslimin, Rasulullah s.a.w. il a dit en ce sens, ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. Une autre forme de sadaqa, une autre forme de domaine où on reçoit des récompenses. Il n'est pas un musulman qui plante un arbre sans que tout ce qui en est mangé ne soit considéré comme une aumône de sa part. Dans une autre narration, il est dit que même si un animal ou bien un insecte vient manger, ce sera pour lui une sadaqa. Tu plantes un arbre, ça donne des fruits. Les fruits, les gens vont manger, ce sera pour toi une sadaqa. وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَلَا يَزَرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً. Jusqu'à tel point que même ce qui est volé ou prélevé est considéré comme une aumône. Tu as planté un arbre, tu as un arbre fruitier chez toi, manguier, ou bien pied litchi. De mon épouse, il casse le mangue sans ta permission. C'est sûr que tu n'es pas content, mais sache que ce sera pour toi une sadaqa. Lui, il aura ses comptes, bien sûr, à rendre devant Allah. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui a été volé, même ce qui a été volé, ce sera inscrit pour toi en tant que sadaqa. Regardez, mes frères, quelle générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur sublime. C'est ça l'islam. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, « Ala kulli muslimin sadaqa ». Chaque musulman doit faire une aumône. Alors on l'a demandé, si quelqu'un n'a pas les moyens de faire une aumône, qu'est-ce qu'il fait? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a conseillé, il a dit qu'il travaille de ses mains et qu'il en tire profit pour lui-même et il en donne une partie en aumône. Et là aussi on a encore demandé, oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un n'en a pas la capacité, ne peut pas travailler aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, qu'il aide quelqu'un physiquement qui est dans le besoin, comme on a expliqué tout à l'heure. Alors, on l'a demandé, Ya Rasulallah, s'il n'en a pas la capacité aussi d'aider quelqu'un physiquement. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en ce sens, qu'il aide moralement, en l'encourageant vers le bien. Ce sera là aussi une sadaqa. Et on l'a encore demandé, s'il n'a pas la possibilité, il n'a pas le courage peut-être d'aider quelqu'un moralement, on ne sait pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien en dernier lieu, yumsiku ani shar fa innaha sadaqa, de s'éloigner du mal soi-même et de ne causer du tort à personne. Tu ne peux pas faire du bien à autrui, alors ne cause pas du tort à qui que ce soit, ce sera là pour toi une sadaqa. Oui, mes frères, ça c'est la beauté de l'islam qui nous présente des actions simples où il y a d'énormes privilèges. Le terrain, les ulama disent que le terrain des bonnes actions, il est très vaste. On ne doit pas le restreindre, il est très vaste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bonté, il nous a accordé une multitude de choix pour notre investissement pour le delà. Maintenant, c'est à chacun de saisir chaque opportunité qui nous est accordée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et surtout de mettre en pratique les propres. Jazakumullah khairan wa akhiru da'wana alhamdulillah.